Bonjour. Est-il possible de faire $1 moins d'une heure? Eh oui, c'est possible. Alors, les ingrédients, là, ici, $1 frais, viande de bœuf, des crevettes, poisson fumé, l'arachide, des oignons, le pepper, du sel, du cube, l'huile, une pincée de sucre, vous verrez à la fin pourquoi. Et alors ici, je fais bouillir pendant 10 à 15 minutes l'arachide. Je fais aussi bouillir la viande de l'autre côté avec du sel, du cube, des oignons. Alors je conseille de cuire la viande dans une cocotte. Alors ici, l'arachide est fait, je rince, je mixe avec de l'eau. La viande aussi, je sépare la viande de son jus de cuisson. Et je rajoute à ce jus de cuisson l'arachide déjà écrasé. Mettez-en autant selon votre goût. Voilà, mettez l'arachide selon votre goût. Je vais laisser tasser l'arachide un quart d'heure à feu doux. Pendant ce temps, je profite pour bien rincer mes feuilles de lait. Rincez plusieurs fois, répétez ce geste plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau du bolet soit claire. Voilà, j'ai utilisé l'eau tiède. Voilà, bien rincé. Changez l'eau plusieurs fois pour ceux et celles qui ne supportent pas le bolet amer. Alors ensuite, à l'aide d'un écumoir, je récupère quelques feuilles de bolet qui sont restées au fond de la casserole. Et voilà, c'est fait. Donc ma cuisson d'arachide s'est assez. Donc je rajoute à ceci la viande, le poisson fumé et le pépé. Ensuite, je rajoute bien sûr des feuilles de bolet, je mélange jusqu'à ce que ça prenne forme. Voilà, j'en ai l'eau à la bouche. Et vous, donc voilà, si vous trouvez que le bolet est un petit peu épais, je vous conseille de le couper avec un petit peu d'eau. Et ensuite, je vais couvrir et laisser mijoter un petit quart d'heure à feu doux. Voilà. Alors une astuce, si vous trouvez que votre bolet est un petit peu amer, je conseille de couper avec un petit peu de sucre. Juste un petit peu de sucre et ça marche. Voilà, ici je vais couvrir et laisser mijoter. Donc pendant ce temps, je vais revenir quelques oignons dans un filet d'huile avec des crevettes. Miam miam. Voilà. Bon, la cuisson prendra quoi, 2-3 minutes, hein, pas plus. Le temps de dorer et caraméliser les oignons. Et voilà, je finalise ma recette. Miam miam. C'est prêt. Alors, j'accompagne cette recette avec du piment, c'est facultatif. Du miandor et les missolets. C'était la recette du jour. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Abonnez-vous.